Donc, début de l'après-midi du jeudi 2 mai, retour sur le chantier. Donc là, on s'aperçoit que le tas de bois a commencé à diminuer, même s'il a augmenté, parce que Mathieu a été chercher quelques bois qui lui manquaient pour ce matin. Donc ce matin, j'avais d'autres occupations, j'étais pas trop là, mais... C'est l'avantage quand c'est de faire venir un artisan, c'est que le chantier avance même quand on n'est pas là. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a continué la façade est, donc continué la lucarne. Donc on retrouve bien les... Hop, il est où ? Les arbats joués là qui sont derrière lui. Il y a le premier qui est là, pris en sabot sur la panne qu'on avait déjà posée, et la deuxième panne qui vient dessus, pareil de l'autre côté, hein. Et devant, au-dessus, il a commencé, donc il n'a pas fait les joues encore, mais il a commencé devant. Donc c'est combien, c'est les 420 ou 420, ouais. Ouais, des 420 qui ont été mis en guise de chevron dessus. Ça permet d'avoir quand même une résistance au flambage un peu plus grande. Et vu que la pente est sur le dessus de la lucarne est plus faible, même si on reste quand même à plus de 20%, est plus faible que sur le reste de la maison, c'est pas mal d'avoir des chevrons qui soient plus costauds. Donc là, ouais, et en plus l'avantage, ouais, c'est que devant, comme vous avez toute l'épaisseur du 420, ça permet d'isoler par l'intérieur et d'avoir une bonne isolation du dessus. Ah, d'accord. Bah, ça continue. Donc, dessus, ça c'est uniquement en effectif pour faire des chambres pour pouvoir mettre l'isolant. Et par-dessus, il remet du chevron en 6-4 sur lequel il fixera le pare-pluie et ensuite la voliche. C'est ça. C'est d'avoir un débord avec les chevrons en 6-4, pour qu'il y ait le carme. Voilà. Ça, ça peut arriver. D'accord. Donc, je répète, parce que le son, je ne sais pas s'il était bon. Pourquoi on rajoute des chevrons dessus? C'est de manière à avoir un débord au-delà de la lucarne, parce qu'autrement, les 6-4 sont trop courts. Et on va se retrouver avec la flotte qui va tomber directement sur la lucarne. Donc il y a toujours un débord de toit en fin de toiture. Et là, il est en train de faire ses repérages pour continuer tranquillement les poteaux. Ça porte un nom sur le côté des fenêtres en bois aussi, ou... C'est des jouets. C'est des jouets, ouais. Donc là, c'est la jouée sur le côté, et après, comme il disait... Là, comme c'est des jouets en 145 mm pour avoir les 145 d'isolant, et ben je fais mes repères et ça va me permettre de mettre de l'isolant directement en panneau, quoi, en 57,5 entre les montants à 60 Manfrax. Voilà, donc la jouée sera isolée, le dessus sera isolé, et même au niveau des deux jambages de la lucarne, quoi, hein, des deux poteaux, on va prévoir également le fait d'isoler. Donc on sera parfait. Là, hier, j'ai eu une coupure. J'avais filmé la sortie, mais voilà. Ça, c'est le bout de ma panne fêtière qui passait dans la cheminée. Donc, mur de 60 plus le dépassement, donc ça faisait un bout de bois de 70. Mais on voit qu'il fallait vraiment la sortir parce que la pourriture avait commencé à se mettre dedans. Bon, c'est pas... Ça reste sec, hein, même si c'est une pseudo pourriture cubique. Parce que voilà, c'est le genre de pièce où la mérule, si jamais ça reste à l'humidité et au chaud en plus le long du conduit de cheminée, la mérule a vite fait s'installer. Donc la dernière fois, je vous avais parlé du tracé de la panne. Du sabot de panne qui était un peu particulier. Donc là, il est tracé. Donc l'astuce, c'est qu'il a rajouté un petit bout de bois dessous qui reste pas, mais qui lui sert à reporter ses lignes, hein.
Donc maintenant que c'est positionné, en plus, il y a une petite coupe à faire dans l'entrée. Donc dans l'entrée retroussée. Après, il peut directement clouer le sabot. Il enlève la pièce de bois et on va essayer de vous montrer la mise en place de la panne aussi. Donc, les sabots, ils sont cloués soit avec de la vis annelée, soit vissée. La pointe annelée, oui, je veux dire. Soit vissée, mais de toute façon, les constructeurs préconisent la pointe annelée. Hein. Mathieu a aussi avancé en début d'après-midi sur les jouets de la lucarne. Hein. Donc on retrouve ce qui avait été dit avant, donc les 145 en vertical, de manière à pouvoir mettre l'isolation donc à la fois au-dessus, sur les flancs, et de manière à ce qu'il y ait une continuité d'isolation entre l'isolation sous toiture et la partie lucarne. Donc cet après-midi, Mathieu, de l'autre côté aussi, comme il m'attendait, a commencé à mettre le cadre de la deuxième lucarne. Donc maintenant que il a préparé les chantignoles, qui en définitive est un 145 ici de la panne, qui va reprendre les arbats de jouets qui sont ici. Donc là, ce que je vous ai filmé juste avant, c'était le sabot qui était en extrémité, donc la panne reposera là sur la ferme et sur le sabot, et là on va la monter. Le dessous est rare. Et la panne est en place, donc ici elle repose, elle est vissée, et tiens, il n'y a pas de souci. Et là, dans le sabot de l'autre côté. Il va pouvoir continuer la lucarne de ce côté-là. Donc les pannes dépassent, parce qu'en définitive, on va les faire dépasser à peu près 1 mètre. Il faudra les recouper derrière, de manière à ce qu'il y ait la toiture qui déborde un peu du pignon et qu'on soit abrité dessous. Donc, pendant qu'il y a un nuage, j'en profite, je ne suis pas à contre-jour, parce que le soleil se couche en face, là, pour vous donner une idée de l'ossature de la lucarne
vu de l'extérieur. Donc ça sera la même chose en plus petit, côté route, de l'autre côté. Jeudi soir, 17h à peu près. Donc on s'aperçoit que le dessus et le début des joues de la deuxième ferme ont été faites. On s'aperçoit aussi que la fêtière est en place, hein, on vient de la monter avec Mathieu. Le reste du temps, il a travaillé principalement tout seul, parce que c'était des petits bouts de bois. Et en plus, il a fait quelques vidéos, je ne sais pas quand est-ce qu'il les partagera, allez voir sur sa chaîne, sur la taille des arbajous. Et tester aussi une mortaiseuse à chaîne pour le lien de la panne fêtière. Donc la panne fêtière, non, elle est là. On l'a montée à deux là à l'instant. Donc même principe que pour les autres pannes. Hein. On l'a passée par la lucarne, on l'a reposée là-bas sur le chevron. Après, on a fait quoi? Ben, on l'a ramenée vers le centre. Et Mathieu, après, de son côté, est monté pour la passer, la poser d'abord sur cette panne-là, et après le monter en haut. Après, moi, j'étais là à soulager. J'étais là à soulager. Et lui, il a monté du sol sur l'échelle, marche par marche, pour la monter là-haut. Donc, en même temps que la panne, comme là, au bout de mon doigt, donc dans la fêtière, c'est un tenon mortaise. On a fixé le lien qui était de ce côté-là. Donc, même principe, hein, au bout de la panne en sabot, le lien ici, et après on tombe en repos, un pseudo embrèvement sur l'entrée retroussée, et posé également contre le pseudo poinçon. De l'autre côté, il la repose sur le fêtage. T'as fait quoi? T'as vissé en biais, non? Pour la tenir là-haut? D'accord. Là-haut, t'as fixé en biais pour la tenir? Ouais, il y a juste une vis provisoire là. Ouais. Après, je vais remettre deux morceaux de 45-145 qui viendront contre la fêtière à gauche à droite. Donc, comme on a fait là, tu vois, pour faire comme il est. D'accord. Donc, fixation de la fêtière là-haut. On va faire même principe que pour les échantignoles sur les pannes, donc un morceau de 45-145 qui va monter, sauf qu'il y aura une découpe en haut qui épousera complètement la panne fêtière pour l'éviter de verser. Donc là, qu'est-ce qui reste? Ben ça, justement, la fixation de la fêtière, les coffres dans les joues de cette lucarne-là. Et après, on pourra attaquer la pose des chevrons. Hein. Donc les chevrons, vous en avez un là. Il repose sur la sablière et sur chaque panne, avec une particularité, mais ça, je vous le dirai, comme c'est une couverture en tuile, on verra ça lorsqu'on posera les chevrons. Allez, demain est un autre jour, donc même si c'est samedi, Mathieu continue. Donc je vous reprends demain en espérant que la météo le permette, autrement ça sera plus tard dans le week-end. Samedi matin, pose des deux dernières écharpes sur la fêtière. Liens de fêtage. Des liens de fêtage, oui, oula. Décidément, il n'y a pas un qui pourrait éveiller l'autre. Donc particularité, donc effectivement elles sont en diagonale de ce côté-là, parce qu'on n'a pas de reprise, on ne va pas se reprendre au-dessus de la porte.
et elles se mettent avec une découpe particulière, donc de manière à épouser l'arête basse de la sablière. Donc la découpe, elle est là, et c'est ce qu'on appelle en charpente un engueulement. Donc sachant que ce qui reprend, c'est la surface du bas de la pièce qui plaque sous la panne faîtière. Donc il n'y a pas de problème pour la transmission des efforts. Il n'y a pas d'effort transmis là. Ouais. C'est vraiment du complémentaire. Petite précision de Mathieu, il n'y a pas d'effort parce que la panne faîtière est assez bien dimensionnée pour ne pas fléchir. Hein. C'est toujours le même principe, c'est faire des triangles indéformables de manière à ce qu'il y ait à faire le contrementement de la charpente, donc éviter qu'elle ait tendance à bouger, que le pignon ait tendance à bouger dans ce sens-là. Juste visser en biais en haut et en bas, et là on reprend sur le haut du poteau. Donc là du coup on a beau secouer le pignon, il bouge plus. Là pour la suite de la matinée, ben, il va continuer il y a une petite pièce encore là comme celle-là à mettre sur la lucarne, sur les joues de la lucarne. Il y a celle à faire sur l'autre lucarne, et après on pourra attaquer la pose des chevrons. C'est une particularité que j'ai pas donnée hier. Là, on avait une planche qui reprenait l'effort, hein, pour éviter, mis à champ pour éviter la flexion, hein, du moins 45-145. C'est pas la planche à plat qui peut reprendre. Hein. Par contre, de l'autre côté, comme la lucarne est beaucoup plus moins large, hein, là, c'est des entretoises qui ont été mises devant. Ce matin, Mathieu aussi a fait le tour de tous les sabots de charpente pour finir de les clouer, parce que on le fait en deux fois. D'abord, on les fixe et après, on les recloue derrière, parce que ça fait beaucoup de coups de marteau et le poignet, il n'apprécie pas. Et hier aussi, je ne sais pas si j'avais fait, on a fini le bout de... à poser les deux derniers bouts de sablière qui restaient ici et de l'autre côté. Bon ben, samedi midi, donc là, les 5,45 pour faire l'isolation des jouets de la lucarne sont finis de poser. De l'autre côté aussi, tout est en place, prêt à recevoir les chevrons. Mais mauvaise surprise, donc on avait commencé à les préparer, à couper le pied du premier. Mais mauvaise surprise, on n'avait pas vérifié sur le devis. Mathieu avait commandé des 4,50 m, et sur le devis renvoyé, c'était du 4 m, donc c'est du 4,20 m qui a été livré. Donc il va falloir les rapporter, en retrouver d'autres pour la semaine prochaine. Mathieu reviendra en définitive la semaine prochaine, donc pour la suite. Moi, en attendant, faut que je fasse un peu le ménage dans les chutes de bois, que surtout je fasse un gros nettoyage ici et une préparation de manière à enlever le plancher et le solivage, parce que dès qu'on a recouvert la charpente, on s'attaque à ça, donc certainement la semaine prochaine.
Je vais en profiter aussi pendant que j'ai l'accès pour nettoyer le haut de mes évrites là. Donc j'ai pas mal pu se dégager dans le garage pour pouvoir brandre les solives. Donc oui, j'ai pas mal de... J'ai de quoi m'occuper jusqu'à mercredi prochain. Sachant que bah, c'est pas parce que le charpentier était là que je faisais rien à côté. Je continuais à avancer dans le terrain. Mais ça, j'y reviendrai sous forme d'un journal de bord. Donc soit sur cette semaine, soit sur 15 jours, je verrai. En attendant, je vous dis ben, à la semaine prochaine pour la poursuite de la charpente. Hein? Et Kenavo.